Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce 10e épisode de notre Let's Play coopératif en All Mode sur Terraria. Donc je suis en compagnie de Narcios, salut à toi. Salut, salut. Et aujourd'hui, comme prévu, nous allons tenter de détruire le destructeur. Donc il va bien sûr attendre que la nuit... Il va bien sûr falloir attendre que la nuit se lève, se couche, que la nuit se lève, bien sûr. Que le la nuit soleil... tombe. Ouais, que la nuit tombe, que le soleil se couche, voilà. Et en attendant, on va se préparer mentalement et physiquement. Donc, on pourrait... Dart Trap. Non, c'est cool. Ça veut rien. Et ça risque de nous tuer plus que d'autres choses. Donc, on va se faire des... je vais te faire des potions. Moi, présentement, j'ai 5 potions. Ah, je crois que j'ai droppé mes potions dans le coffre tantôt. Ouais, c'est vrai. Ben, j'avais 30 potions. Ouais, voilà. J'ai 30 potions de soins supérieurs, il non, en mais reste 5. C'est pas ces potions là que je parlais moi, mais c'est pas grave. Ouais, mais t'en veux-tu toi des potions de soins supérieurs? Ouais. Toi, attends, il va te falloir ça toi. Bah voilà, t'en as 15 dans le coffre, j'en ai 20, donc... Merci. Qu'est-ce que c'est pour payer au juste? Ah, voilà, c'est qu'à l'arc. Bah techniquement, c'est pas vraiment un arc que j'utilise, mais... Non, mais ça marche pas. Bon, les flèches sont en bas, ferme. Je vais peut-être faire de la soupe aussi. Ah, ok. Est-ce que de la soupe c'est utile? Non, non, mais ok. Faut voir ça, ça. Je vais prendre plein de champignons en fait. Et plein de. Des blooms. Des blank root, non, ça va servir à rien. Donc, je suis prêt, j'ai 1000 balles. 1000 balles, je devrais en avoir assez, hein. Techniquement, oui. Techniquement. Bon, je peux faire Regenerate. Ah, sûr. Il va falloir du fer. On n'a pas de fer, j'imagine. On en a une grosse source à côté de la maison. Ouais, ben tu m'as dit pas miner, moi. Bon, non, je sais, non, je sais. J'ai le dernier épisode comme témoin. Non, je sais. Mais de toute façon, on en a juste besoin pour ça, du fer. Puis on en a plein ici. Ouais. Soleil se couche. Ouais, ben on va aller. Moi je vais me placer tout de suite, donc. Histoire d'être pris. Hein. Je t'ai fait des potions de régénération en passant. Bien. Tac, ici on va en avoir. C'est là. 5. Je vais placer mes armes. Il va nous falloir 6 de ça, il me semble. Et j'ai les 9 formes de la nuit. Ici. Bon. Donc, pour briser le silence, moi, pendant le destructeur, j'utiliserai une armure de cobalt complète. Je vais aller chercher le casque, si ça te dérange pas. J'utiliserai pas le casque de mineur, puisque ce sera totalement inutile pendant le destructeur. Et désavantageux. Ouais, totalement. Donc, je vais prendre le casque en cobalt. Donc, en partant, il me procure 11 de défense de plus. Ben, 10 en fait. Mais bon, c'est ça. Sinon, j'utiliserai une lame du briseur que vous avez si souvent vu. Ainsi que de Nijiata en cobalt. En gros, une lance en cobalt que je ne suis pas capable de prononcer. Un phoenix et un méga shark, ainsi que peut-être mon boomerang contre les petites créatures. Voilà, donc faudrait une harpe. Moi je suis en train de faire. Est-ce qu'il faut. Ah merde, on a du coup faire ça. Il nous faut une harpe. Ouais, mais on peut pas en harpe. Oui, on peut. C'est parce que la harpe, on peut juste sur les armes des visions. Voilà. J'ai fait. Ça, ce qui va me permettre de faire de la soupe. J'ai fait deux soupes, ça devrait être correct, ça dure assez longtemps la soupe. Pour nous, bon. Ça, non, ça j'aime pas. Donc, deux. Dans les fleurs. Ça. Faudrait mettre des petits panneaux au-dessus des coffres pour que ce soit plus rapide. Bah pour moi je connais par cœur là, c'est juste que faut que je regarde dans mon inventaire ce que j'ai avant. Ouais mais pour moi.
Juste après qu'on stack par contre. Ouais, mais c'est long des fois là. C'est sûr. Comme c'est dommage. Bon. L'autre mec qui rit de moi. Mais celle-là. Quand t'es prêt, hein, vous pourrez faire vite vu que la nuit est déjà là. Ah oui, c'est vrai, hein, elle a déjà commencé. Bon, j'arrive. Moi, je vais utiliser les armes que vous voyez en haut. Je vais me les décrire. Voilà. Ouais, on s'en fout. Que est-ce que toi, je t'ai pas passé tes potions? Attends. Attends. Merci, mais il y a bit, bit, bit. Et voilà. Bon, allez, let's go. Le pire, c'est que je pense qu'il va même pas se rendre en haut. On a perdu beaucoup de temps pour avoir le bateau sur l'autre plateforme en bas, mais on remonte. Oh, wow, là, il se rend. Oh, vas-y, viens ici, viens ici. Viens taper ça, taper ça. Quoi? Ah, laisse faire trop tard. Parce qu'il y avait, il était un gros mouton au début, puis quand il était un gros mouton au début, ça permet de faire gros de dommages. Tu regarderas sa vie, j'ai dû faire pas mal. Facilement quelques mille de dommages. Check, on y a déjà fait perdre 4000 de dommages. Ah, oh, bah ben cool. Bon, je vais. Ah, oh, il sera à peine. Ah non, un Wyvern, non, pas des Wyvern en plus. Occupe-toi du Wyvern. Occupe-toi du boss. Ça me va. Donc, je vais quand même pas faire le bourrin à ce point. Shia Westline, 4ème loi. Oh, on s'en fout en fait des PNJ. Fou des PNJ. Non. Damn. Ouais, je m'en vais l'attaquer à temps. Bah moi je compte un Wyvern, mais bon. Amuse-toi. Have fun. Je remonte. Détruire ces bestioles. Ouais, je la vois la Wyvern. Sérieusement, elle redescend pour la péter. Elle descend pas trop bas, histoire que je puisse. Mec, elle m'attaque pas, mais elle descend un peu pour la péter à Wyvern parce que sinon il va en avoir d'autres qui vont arriver. C'est comme ça. Ouais, mais là, ma priorité c'est de rester en vie, donc. Ouais, je comprends. C'est une bonne priorité. Maëla. J'ai toujours peur que ce soit toi qui soit mort, là, si je me ramasse tout seul contre le boss. T'inquiète, au pire, je vais revenir à la vie donc. Pour l'instant, je suis en haut, moi je suis en train de reprendre des cœurs. Moi je suis en bas. T'as rien de contre le boss? Non, il est pas là, il est parti faire une sieste. Il y a encore la musique de boss au moins, fait que. Un cœur. Ah oui, là, bonjour, kikou kikou. Ça va bien? Ça c'est une mort. Détruire ces shit parce que j'ai plus beaucoup de vie. J'ai quoi comme équipement, moi en fait, je sais même pas que j'ai. Donc j'ai plus complètement ici. Mais question comme ça, les Wyvern. Ah, oh, j'ai une autre Wyvern. Ah, remonte pas trop. Oh, putain, ouais, non, mais. C'est pour aller chercher des cartes que je suis remonté. Wow. Ouais, c'est bon, moi je m'en viens à chercher des cartes. Ouf. Vraiment, peut-être pas, mais ça a été chaud. Comment j'ai knockback. Allez, dégage. Dégage, tu te dois. Mourir. Sans que je mourrai. Voilà, c'est bon. Je suis au moins protégé des lasers. T'es en haut, toi? La lune, ouais. Elle bouge, je la vois pas, ça m'inquiète. Qui ça? La lune. Faudrait qu'il y ait un mob qui a pu. Ah oui. Oh salut. Putain, le boss il est monté au. À un niveau auquel, sur lequel je peux l'attaquer. Donc, les cœurs, on aurait dû les descendre vraiment. Ouais, bon, on fera ça tout de suite après le fer. Non, non, ce sera pas un fer, on peut le tuer. Mais... C'est un fer. Ah merde, oui, merde. Ouais, c'est moi qui ai pris en chasse sur toi, mais. Wow! Oh, oh mon dieu! Attention, tu vas peut-être avoir un. Ouais. Wyvern Destroy. Yeah.
moi aussi, je suis destroy. Non, il reste encore plein de vie. Il a plus de vie que moi. Il me reste 150 de vie. Et c'est parce que je viens de prendre une potion. Voilà. J'ai pris des cas, ça va. Un petit peu mieux. Que... Ouais, les cas. Je suis en train de détruire ces mobs aussi. Pogne des cartes, toi. Je fais un trou ici. Voilà. Mais je te. Oh merde, ça ah. Va les Wyverns. Sale Wyvern, sale Wyvern. En fait, je me connaissais plus en plus Wyvern. Mais je ne les aime pas, il me reste 33 de vie. Ah. Oui. Ouais, je chante très bien. Merci, merci. C'est bon, j'ai fait pas mal de dégâts. Il est rendu à combien de vie au fait? J'ai même pas regardé. Faut vraiment que je regarde à combien de vie. Il est à 40. Ah, oh, merde, t'as même pas à moitié. Et le jour se lève, on dit. Fait. Bon, viens, tu t'en fous des Wyverns, puis descends en bas, va commencer à le buter. Parce que là, faut vraiment le détruire parce que le jour se lève. Ah, bien sûr, rien de plus facile. Bon, Bah oui, quand même. Le truc, t'as une Wyvern en chasse. Ah! Il y a une Wyvern qui vient me dire que bonjour. Ah non, il t'a pas tapé toi, ok, tu vois. Ouais, ouais. Tu m'attaques. On va prendre des cœurs. Bon, je sens que ça va être un fer, les pics, les amis. Ouais, ouais, je te l'avais dit, je te l'avais dit. Ah merde. Non, je veux des cœurs. Ah, t'es mort, toi. Wyvern. Ouais, Wyvern. Hey, je te l'envoie. C'est pas cool ça. Ah, c'est bon, je l'ai tué. Ah, y'en a un autre! Quoi? Ça vole, Pop, abusé de Wyvern. T'aurais pas pris un. Truc qui monte le Pop, pardon. Non. Crevé. Voilà. Est-ce que t'es revenu à vie, toi, au moins? Bah oui. J'allais dire, t'as-tu parlé à un nurse? Y'a pas de nurse. Tant que je reviens à vie, ça va être pas pire. Ah, c'est Wyvern. Pourquoi je les traite de ça là? Ils sont très propres, ils m'ont bien. Ah! Qui me veut? Encore deux, tu vas pas, moi. Je suis mort. Regarde, j'ai revu le tank. Ouais, bah, bute les Wyverns. Fuck. Est-ce que t'es revenu? Ouais. Ouais. En même temps, c'était trop synchronisé. Ça crève! Oh, je suis mort! Non, non! C'est bon, pfiou! C'est bon. Moi je vais reprendre la vie en haut par contre. Mais il est encore là, c'est bien. Ouais. Bah tant qu'il est là, moi. Au pire, on le butera à coup de 1 de dommage, comme. Ouais. Non, moi on va le détruire, on va l'avoir. Ouais, mais on va le détruire en fin de jour. Donc à coup de 1 de dommage. Non, t'inquiète, lui il fait juste se barrer. Hein. Bah pas t'inquiète, justement, lui il fait juste se barrer en plein jour. Là. Ah, ok, donc il reste pas. Donc on est sûr de le rater puisque le jour se lève. Ouais, voilà. Ouais, c'est barré. Faire! Bon. On a eu plein d'armes de vol au moins. Ouais, mais descends les cœurs tout de suite. Ouais, t'inquiète. Les cœurs, je pense même que je vais mettre au sol. Non, surtout pas au sol. Peux-tu aller chercher des pinces pour pouvoir. J'en ai sur moi, hein. Ah, ce que je suis prévoyant. Va couper les câbles. Et moi, je dis qu'on fait une autre plateforme plus basse. Non, moi, je propose la même plateforme, mais à un endroit, en hors série, je creuserai comme un genre de chunk. Donc, il pourra pas te sauter de haut, tu comprends? Ouais, je comprends. Ça ou on va dans l'eau? C'était pas sur cette carte. Oui, non. Ouais, bon, prochain coup, au pire, on pourrait essayer de le battre sous l'eau. Sur l'eau. Ouais, ben c'est ça, mais lui, il va être dans l'eau en fait. Ouais. Mais si je me trompe, tu me le diras, mais je crois que c'était sur cette map. La base sur l'eau. Non, c'est sur la mienne. Non, pas la méga base, mais le début où que j'avais creusé. Non, celle où t'avais essayé de faire une arène, là? Ah, ouais, non, t'as raison. Sur la tienne. Ouais. Mais on peut faire pareil. Ouais, ben on pourrait en faire une, mais au pire, non, là, on va juste...
En fait, ce que je propose, c'est une plateforme à boss. Carrément, l'endroit le plus bas de la map. On le trouve et on fait une plateforme à boss là-dessus. Ouais. Attends, en attendant, je viens de trouver un coffre random. Parce que... Sérieusement, sans les Weavers, on l'aurait tellement trop battu. Ouais, mais c'est ça, fait qu'il faut... Oh, je sais! On va faire ça underground! Non. Oui, oui. Je veux dire, on fait ça dans les enfers, ok? Tu sais, on se fait une longue plateforme droite. Dans les enfers. Non. Parce que les monstres des enfers sont tellement moins forts que les monstres que... Parce qu'on s'entend qu'il y avait des spectres pis tout, là. Mais dans les enfers, il n'y en aura pas de ça. Fait qu'on fait ça. On va aller faire une espèce de longue plateforme à boss dans les enfers. Donc moi, je dis qu'on va aller commencer ça tout de suite. Je garde des cœurs sur moi. Ah non, je vais les mettre sur la maison, tiens. Ok, ben moi, je m'en vais chercher des ailerons de rook. Hein. D'accord. Puis tu placeras les câbles sur les cœurs à maison ensuite. Moi, je m'en vais commencer à creuser le tout. Bon. Nous avons de grands projets ambitieux, les amis. Ça. Ton chrono dit. Est-ce qu'il dit que tu as oublié de le partir ou. Non, il dit 16 minutes. 16? 16. 16. 16 minutes. Non, c'est pas pire. On. C'est vrai qu'on a juste passé une nuit. Ouais, non, mais je pensais que t'avais oublié de partir, c'est tout. Non. Oh my god. Et je vais aller vendre. Je peux vendre à qui? À personne. Y'a plus personne. On peut peut-être essayer un dévoreur de monde. T'es drôle, toi, essayer un dévoreur de monde. Non, on va aller buter. Bah, j'ai une dizaine d'orbes alignées une à côté de l'autre. Ah, mais on va même pas en faire un, on va en faire plein en fait. Donc, je brise. Ouais, amuse-toi, on va aller s'amuser un peu. Prochain épisode, on va faire la plateforme ou on va avoir fait la plateforme, on verra. Ouais, non, la plateforme, on va la faire hors épisode parce que je crois que ça va être chiant. Au pire, je vous fais une avance rapide. Qui va servir d'intro d'épisode à. Bon, voilà. Je t'attends ou je t'attends pas? Non, attends, moi je me vais. Je vais voir ça. Pète. Bon, en fait, moi, de mon côté, je vais tenter de me trouver une alter démoniaque. Donc, vous avez tous compris, les amis. Pourquoi un altar, en fait? Ah oui, tu veux te faire ta... Ah oui, je crois. Ma quoi? Non, je comprends pas. Ah oui, tu veux faire une affaire slime? Ouh, yeah! Ah, c'était pas ça, la couronne. C'est même pas pour l'apporter, en fait. Non, c'est rien des couronnes. Classe. Alter démoniaque en vue. Ah, en plus, il y a du mithril. Non, c'est du cobalt. Bah, c'est déjà ça. Ouais, je vais prendre, mais... Ça va nous servir pour crafter des trucs. Couronne de slime. Ah, on va même pouvoir faire le roi slime. Lui, c'est la nuit ou n'importe quand qu'on peut l'invoquer? N'importe quand, faut que tu sois dans la forêt. La forêt ou la jungle? Forêt. Ok. Je te présenterai à la forêt. J'aimerais lui dire bonjour. Non, je m'en viens là, je suis juste en train de parcourir toute la jungle pour venir détruire les dévoreurs de monde. Mais surtout, ne brise pas l'alter démoniaque. T'inquiète. Il y a un poisson, j'en profite pour le tuer pas changer. En fait, descends seulement quand ce sera vis-à-vis moi. J'ai comme des petits coups de lag. Oh. Oh mon dieu, c'était drastique comme changement. Je suis passé de clair à... La route m'a été. Je suis à la surface là, je viens de remonter. Bah, je m'en viens juste à côté de toi. Je viens de détruire des cruches parce qu'il y en a. Des cruches? Des genres. Des cruches. Des genres. Des cruches. Ouais, salut. Bon, je descends en bas ici quoi. Ouais, ici. Voilà. Non, il a pas invoqué. Normal, il faut qu'on ait en pété 3. Ah bah cool, ça chèque.
Mais c'est pas qu'il brise. Ben, il creuse le. Power! J'ai reçu un ball au heart. Ah ouais, je m'en ai. Est-ce qu'on est puissant? Voilà. Je vais donner deux coups de lance, il va mourir. Mais... Il n'est pas mort! Il est awake! Je sais pas, mais check. Il rush un petit peu, je trouve. Ouais, mais on le fait reculer. Tu vois pas, des fois, il bloque, il arrête d'avancer. Non, non, ça c'est parce qu'on détruit sa tête. Non, mais sérieusement, on peut le faire reculer. Des fois, il recule. Mais c'est pas à tous les coups. C'est des chances de recul, en fait. C'est ce qu'on détruit sa tête aussi, tiens. Attends. Je veux éclairer sous l'eau. Bah, en fait, avoir quelque chose pour m'éclairer sous l'eau. Tu le souhaites? Bah, oui, je le souhaite. Hey! Je vais arriver plus tôt. Celle-là. Sérieusement, ils reviennent toutes les PNJ quand même. Ouais. Non, on a même pas brisé. Ouais. On a brisé une jaille. Ah, j'ai plus de torche. Mais là, nos pieds. Pas de gaspillage. Mais t'avais pas ta tête d'éclairage, tu vois? Ma tête, non, je l'ai pas. Bah moi non plus je comprends pas grand chose sérieusement. C'est simple juste moi. Bon je propose qu'on ait le pour la Kim. Le King. Kingslang. Bon. Moi je dis que miroir time. Bord de démonite. Ouais. On va en avoir trop, ça va falloir qu'on les vende. Bah bon, non. Viens ici. Et tu l'invoques ici. Cool. Puis on le cherche parce qu'il apparaît randomly quelque part. Puis. Kimmy. Bah, moi je le vois pas. Non plus. Kimmy. Ça se trouve, il tombe dans une grotte, quoi. Ouais, ben, je suis. Et c'est Joey? Non. Kawa! Il sait Joey, quel lâche! Je doute. Bah, ben, écoute la musique. Oh, la musique, oui, mais. Je veux juste dire qu'il est trop loin. Ok, non, c'est peut-être Joey, finalement. Ah, you fell. C'est un lâche. Oh, bah, you fell. Les slims sont des lâches. On devrait tous les assassiner. Amuse-toi. Bon, en attendant, nous allons arrêter l'épisode là, ça fait 25 minutes. Donc, viens donc brancher les câbles ici. Avec plaisir. Juste réorganiser. NG. Voilà. Bon, donc. Ça marche. Bien savoir que de la manière que je les ai placés, je sais pas si c'est comme ça que je les marque. Peu importe le bouton que tu pèses, dès que tu pèses sur un bouton, ça les active tout. C'est ça qu'il faut. Bon, ben c'est ça que j'ai fait.
D'ailleurs, je suis en train de tout vendre ce qu'on a droppé sur. Bien, faisons du shopping. Écailles sombres, on vend ça. Si, si. Toutes les écailles et les boîtes démoniques, t'es bon. Ok. Bon. Les blocs bonites, la merde. Personnellement, j'ai un coffre pour. Bon. J'ai 20 gold sur moi. Voilà. Après, j'ai du cobalt. Ah, il y a un Komodo. Moins 9% de vélocité plus 36% de recul. De quoi ça? Un mousquet de Komodo. Ah, oh, s'en fout, ça. Moi, j'ai un Godly Faxon. Ouais, mais il fait autant de dommages. Que ton phoenix. Ah, bah le phoenix c'était plus vite. Il fait 23 de dommages. Plus précisément. Mais le phoenix c'était plus vite. Effectivement. Donc. Je le vends. On va arrêter l'épisode ici, ça fait 26 minutes. Ouais, ouais. Donc nous vous disons à la prochaine. Dans un prochain épisode, on l'espère moins fail que celui-ci, mais on s'est bien amusé quand même. Juste vendre des poissons que j'ai récoltés. Et voilà, donc on vous dit à la prochaine. C'était Sharda et Narcios dans ce Let's Play coopératif en Hard Mode sur Terraria. Au revoir.